toujours dans cette seconde partie du cardigan femme à col rond, je vous donne les explications en 6 tailles pour les deux demi-devants. Pour la taille 1, montez 60 mailles, 64 mailles pour la taille 2, 68 mailles pour la taille 3, 74 mailles pour la taille 4, 80 mailles pour la taille 5 et 86 mailles pour la taille 6. Et tricotez pour toutes les tailles les 10 premières mailles au point ajouré et le reste des mailles comme le dos en commençant au troisième rang par une maille en droit torse. Au premier rang pour le point ajouré, on tricote 3 mailles envers en glissant la première maille pour avoir une jolie bordure. Cinq mailles en droit torse. Donc on passe l'aiguille derrière et l'on tricote en droit. Deux mailles envers. Et ensuite, on continue le point fantaisie, comme le dos. Au premier rang, toutes les mailles se tricotent en maille en droit torse. Au second rang, on commence par tricoter toutes les mailles en droit et sur les 10 dernières mailles, tricoter 2 mailles en droit, 5 mailles envers torsées. Deux mailles en droit et pour avoir une jolie bordure sur l'endroit, la dernière maille, on la tricote en droit torsé. Donc au lieu de prendre comme ceci, on va prendre l'aiguille de droite derrière et on passe la maille. Au troisième rang, 3 mailles envers en glissant la première maille. Deux mailles en droit ensemble. Un jeté avant, donc on passe le fil devant. La maille suivante en droit torsé. Un jeté en passant le fil devant. Un surjet simple. On glisse une maille. On tricote la maille suivante. Et on rabat la maille glissée. Deux mailles envers. Et ensuite, on continue le point comme le dos en tricotant la première maille en droit torse. La maille suivante envers. Et l'on répète une maille en droit torse. Une maille envers. Au quatrième rang, tricoter comme le dos, en terminant par une maille en droit, une maille envers torse,
et sur les 10 dernières mailles, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert normal, 1 maille en vert torse, 2 mailles en vert normal, 2 mailles en droit, 1 maille en droit torse. On va rabattre une fois 3 mailles du côté gauche pour débuter les emmanchures. On tricote la bordure comme les mailles se présentent. On continue avec le point relief et au second rang, on rabat une fois 3 mailles. On continue le rang. On continue toujours au rang suivant la bordure et le point relief. Et au quatrième rang, on rabat pour les emmanchures comme le dos suivant la taille. Ensuite, on va continuer droit sur toutes les mailles jusqu'à une hauteur totale pour la taille 1 de 52 cm, 54 cm pour la taille 2, 56 pour la taille 3, 59 pour la taille 4, 60 pour la taille 5 et 62 cm pour la taille 6. Ensuite, rabattre pour l'encolure les 10 premières mailles au premier rang et au second rang, tricoter sur toutes les mailles au point relief. J'ai rabattu les 10 premières mailles, j'ai continué sur toutes les mailles jusqu'à la fin et tricoté ensuite sur toutes les mailles au point relief. Ensuite, rabattre côté encolure tous les deux rangs, en sachant qu'il reste pour la taille 1, 38 mailles, 41 mailles pour la taille 2, 42 mailles pour la taille 3, 45 pour la taille 4, 48 pour la taille 5 et 51 mailles pour la taille 6. Pour la taille 1, rabattre une fois 7 mailles, plus une fois 6 mailles, plus une fois 5 mailles. Pour la taille 2, une fois 8 mailles, plus une fois 6 mailles, plus une fois 5 mailles. Pour la taille 3, une fois 7 mailles, plus une fois 6 mailles, plus une fois 5 mailles. Pour la taille 4, une fois 8 mailles, plus une fois 6 mailles, plus une fois 5 mailles. Pour la taille 5, une fois 9 mailles, plus une fois 6 mailles, plus une fois 5 mailles. Et pour la taille 6, une fois 9 mailles, plus une fois 7 mailles, plus une fois 5 mailles. Et si besoin, continuer quelques rangs sur toutes les mailles. Puis rabattre à la même hauteur que le dos les épaules. C'est-à-dire pour la taille 1, 2 fois 10 mailles, pour la taille 2, 2 fois 11 mailles, pour la taille 3, 2 fois 12 mailles, pour la taille 4, 2 fois 13 mailles, en taille 5, 2 fois 14 mailles et la taille 6, 2 fois 15 mailles. Moi je fais la taille 38-40,
Donc j'ai rabattu une fois 8 mailles plus une fois 6 mailles plus une fois 5 mailles. J'ai continué deux rangs sur toutes les mailles et j'ai rabattu du côté épaule deux fois 11 mailles. Tricoter l'autre demi devant en sens inverse, c'est-à-dire commencer par le point à relief et au troisième rang, commencer par une maille envers au lieu d'une maille en droit torse, et ceci pour la symétrie. Terminer par 10 mailles au point ajouré en commençant par 2 mailles envers plus 5 mailles en droit torse plus 3 mailles envers. Et au second rang, glisser la première maille en droit pour avoir une jolie bordure. Pour relever les mailles autour de l'encolure, pour faire le col, on va se servir d'une aiguille circulaire du 4 mm et pour le premier rang à faire en même temps, de l'aiguille du 4,5. Au lieu de prendre au début, pour prendre la première maille, on va prendre en dessous. Donc là, je prends en dessous, comme ceci, une maille. Avec l'aiguille 4,5, je vais la mettre comme il faut sur l'aiguille. Voilà. Faire avec l'aiguille circulaire la première maille, comme si je tricotais en droit. Je prends mon fil. Et je tricote la maille. Ne pas la glisser, sinon on perd la maille. Et voilà. Ensuite, on va faire pareil pour la deuxième maille. Alors, la première maille, ça s'enlève un peu. Alors, à chaque fois, il faut serrer. En dessous, comme ceci, je prends la seconde maille. Et je tricote la maille avec l'aiguille du 4 mm. J'ai pris du 4 parce qu'autrement ça sera trop serré. Je fais pareil en dessous. Et je continue. Et je prends bien en dessous pour ne pas avoir de trou. Donc là, je prends celle-ci. Et je la tricote en droite avec l'aiguille circulaire.
et on n'a pas de trou en la prenant en dessous. La cinquième maille. Alors, je la remets comme il faut parce qu'autrement elle est torsée. Et je la tricote en droit. Et je fais ça jusqu'à l'autre côté du col. Là, j'ai avancé un peu. Voilà ce que cela donne. Voilà le résultat final. J'ai mis les boutons juste après la bordure ajourée. Ce sont des boutons de 18 mm de diamètre, mais vous pouvez aller jusqu'à 2 mm de diamètre. Ils sont espacés de 6 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le premier jour, près de la bordure, servira de boutonnière. Donc vous pouvez mettre les boutons où vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la troisième partie qui sera consacrée aux manches longues.